Comme d'habitude, tous les liens pour télécharger les datapacks sont en description et vous aurez également le lien vers un tutoriel pour les installer sur votre Minecraft. Je vous souhaite une bonne vidéo et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On commence ce top 10 avec Daycounter. C'est un petit datapack qui permettra d'afficher sur votre écran le nombre de jours qui s'est écoulé sur votre partie. C'est-à-dire que dès que vous allez passer la première journée et la première nuit, vous verrez apparaître sur votre écran jour 1 ou le jour sur lequel vous êtes, un nouveau jour est arrivé. Ça peut être utile par exemple si vous êtes dans une mine et que vous ne voyez pas s'il y a le soleil ou la nuit. Ben là vous verrez tout simplement quand les jours y passent, donc vous saurez exactement quand le jour se lève. Il y a des paramètres disponibles dessus, malheureusement on ne peut pas le mettre en français. Bon, c'est pas très grave, hein. Tu peux voir le nombre de jours quand même, t'as pas besoin d'être anglais, français ou qu'importe la langue pour voir quel jour tu es. Mais c'est vrai que ça aurait été un petit peu mieux d'avoir une phrase en français. Fog Beast, c'est le nom d'un nouveau monstre qui apparaît du coup dans votre monde. Donc ce nouveau monstre là, il se prénomme la bête de brouillard. C'est tout simplement du brouillard avec des yeux qui va vous suivre un petit peu partout. Ils font des bruits vraiment flippants et en plus ils passent à travers les murs, donc ça c'est vraiment difficile à les contrer. Donc ces bêtes là, tu les trouves dans les grottes, dans les puits de mine, dans les donjons ou même quand il y a des fantômes qui apparaissent. L'objectif de ce monstre là, c'est pas forcément de le tuer pour récolter du stuff, parce que justement il va rien drop du tout. Pourquoi? Parce que c'est un monstre qui a été ajouté pour te faire peur et pour fuir rapidement. Parce qu'en gros il fait très très mal, il est très très dur à tuer. Tu lui mets des coups d'épée, il prendra aucun dégât. Et la seule possibilité de le tuer facilement, c'est avec un arc et des flèches spectrales. Donc comment dire que t'en as pas toujours sur toi. Donc je trouve ça vraiment cool d'avoir un monstre qui est là surtout pour te faire peur au lieu d'avoir un monstre qui est là pour farmer tel ou tel item. Qui a dit que les fleurs étaient inutiles sur Minecraft? Maintenant avec ce datapack Flower Power, vous pourrez faire cuire toutes les plantes sur des feux de camp. Et la fumée qui ressortira du feu de camp fonctionnera un petit peu comme des potions. Parce que selon la fleur que vous faites brûler, vous aurez des effets différents. Donc par exemple résistance au feu, cécité, saturation. Vous avez même avec la Wither Rose l'effet Wither, donc vous allez perdre des dégâts. Et si vous utilisez un feu de camp des âmes, ben les effets des fleurs seront multipliés par deux. Ce qui est bien avec ce principe là, c'est que ça agit vraiment tout autour du feu de camp. Et jusqu'à que la feuille ait fini de brûler, il y aura justement cet effet de potion qui sera autour du feu de camp. Vous connaissez les raids qu'il y a sur les villages actuellement dans Minecraft? Et ben le datapack Witch Raids, comme son nom l'indique, va ajouter des raids de sorcières. Pour activer ces raids de sorcière, il faudra tout d'abord trouver une vieille sorcière. Et si vous arrivez à la tuer, ben elle laissera tomber la bannière d'ensorcellement. Et du coup, celui qui la tuera recevra la malédiction de la sorcière. Une fois la malédiction activée sur vous, dès que vous rentrerez dans un village, l'événement raid des sorcières s'enclenchera. Et là, c'est parti les gars, c'est vraiment ultra bien fait. Vous avez un effet d'obscurité, vous voyez plein de sorcières sur des fantômes apparaître. Donc franchement, je vous conseille de bien être stuff parce qu'elles vous enchaînent. Et en plus, c'est très compliqué de les toucher vu qu'elles sont toutes dans les airs. Et un petit ajout qui est sympa aussi, c'est que dès que vous terminerez de tuer toutes les sorcières, vous verrez les villageois qui célébreront la victoire en enclenchant des feux d'artifice. Pour tous ceux qui aiment l'exploration et les combats, Illager Fortress va remplacer les igloos par des énormes forteresses. Comme son nom l'indique, c'est une forteresse qui contiendra des Illagers et également des butins qui sont très intéressant honnêtement, donc il faut absolument être bien stuff parce que déjà vous allez vous faire enchaîner, mais vous verrez qu'il y a plusieurs bâtiments et plusieurs étages, donc il y a une forteresse, il y a une tour, il y a un donjon, il y a plusieurs types de villagers, vous avez des archers, vous avez des combattants, etc. Et une fois que vous arrivez tout en haut, vous verrez le dernier étage où il y a même un sorcier qui vous fait des sorts un petit peu bizarres les gars, ça vous met des espèces de crocodiles qui sortent du sol. Mais bref, je vous laisserai essayer ce datapack qui est vraiment cool. Est-ce que je suis tout seul à trouver les feux d'artifice ultra complexes sur Minecraft? Ce datapack vient répondre à ma question car il va permettre d'optimiser au maximum l'interface de création des feux d'artifice. Donc vous pourrez tout simplement créer un compositeur de feux d'artifice en déposant une fusée de feux d'artifice sur un coffre vide. Il vous permettra de modifier toutes les caractéristiques de votre fusée. Vous aurez la dimension de votre feu, les couleurs, la hauteur d'explosion, etc. Et vous avez même un ajout qui est ultra cool, c'est le lanceur de feux d'artifice. Donc au lieu de lancer votre fusée tout seul en faisant clic droit, vous créez le lanceur de feux d'artifice avec un distributeur vide ainsi qu'un baril vide. Vous y jetez une fusée de feux d'artifice dessus et ça créera le lanceur de feux d'artifice. Maintenant, une fois que vous faites clic droit sur le baril, vous aurez tout simplement des paramètres pour le lanceur. Vous pourrez modifier la rapidité d'envoi, la hauteur, etc. Enfin bref, vous avez énormément de paramètres. Et je pense que quand vous savez manier ces paramètres-là, vous pourrez faire vraiment des feux d'artifice qui sont vraiment dignes des feux d'artifice qu'on voit dans la vraie vie. Moonblade, c'est le nom de cette TP qui est ajoutée avec ce datapack. Pour crafter cette TP qui est ultra cheatée, il vous faudra quand même 10 blocs de diamant, 10 pommes dorées enchantées, ainsi qu'une épée en diamant. Vous lancez les trois par terre et vous verrez la Moonblade apparaître.
Cette épée a 7 caractéristiques différentes. La première, c'est l'attaque de base. Dès que vous tapez un ennemi, bon déjà ça met un gros coup, le mec en face il a rien compris. Mais en plus de ça, ça va marquer votre ennemi. Vous comprendrez après à quoi ça sert de marquer un ennemi. Et il sera ralenti et affaibli pendant 5 secondes. Quand vous avez marqué un ennemi, vous pourrez vous téléporter à lui en faisant clic droit plus shift. Le clic droit, quant à lui, va faire des dégâts avec de l'énergie. Et il va également marquer votre ennemi. Quand vous jetez votre épée par terre, c'est trop stylé. Ça fait un petit peu comme le marteau de Thor. C'est-à-dire que vous le lancez vers votre ennemi et l'épée revient directement vers vous. Bon, un truc trop cheaté, c'est que quand vous jetez votre épée par terre et qu'elle n'est pas encore revenue vers vous mais que vous appuyez sur shift, ça vous téléporte directement à elle. Une dernière fonctionnalité sur cette épée, c'est que quand vous appuyez sur F, votre épée se mettra à côté de vous et quand vous appuierez sur shift, ça lancera un laser vers où vous regardez. On est d'accord, c'est un petit peu fastidieux de monter sur des montagnes avec des rails. T'es obligé de faire des contours ou de monter petit à petit, etc. Ben, le datapack Leader Cart va régler ce problème parce qu'il vous permettra tout simplement de faire monter les différents wagons sur les échelles. Moi, je pense que ça nous est déjà arrivé à tous. Un pote qui met une TNT qui fait exploser notre maison ou un creeper qui est derrière nous qu'on n'a pas vu qui explose notre dernière construction. Ben, si on veut pas que ça arrive, le datapack Minecraft Explosion Rebuilder est là pour ça parce que dès qu'il y a une explosion, donc ça fera des dégâts, ça va exploser tous les blocs, etc. Et juste après, ça va reconstruire tout ce qui a été cassé. Donc comme ça, on perd pas l'aspect explosion, etc. qui est quand même assez fun. Mais on perd pas non plus nos constructions qui, on va pas se le cacher, sont un petit peu longues à faire. Des fois, je trouve que c'est aussi important de partager des petits datapacks qui ajoutent une petite fonctionnalité. C'est le cas de Run Faster on Grass Pass. Pour tous ceux qui parlent anglais, vous avez déjà compris. Ça vous permettra tout simplement de courir plus vite sur les chemins. C'est vrai qu'aujourd'hui, à part le côté joli, les chemins qui sont créés dans les différents villages ne servent pas à grand chose. Ben, grâce à ce pack, vous pourrez tout simplement avoir une utilité aux différents chemins. Donc dès que vous allez dessus, vous allez pouvoir marcher ou courir plus vite. Si ces datapacks vous plaisent, vous aimerez sûrement ces 10 modes en 1.18.